Je vous remercie de votre présence et après une petite musique, nous allons commencer le spectacle. Si vous n'avez pas fait l'école, envoyez-nous vite la cassette. Merci à toute mon équipe, merci à tous mes producteurs. Vous êtes puceaux slash pucelles, venez ici témoigner. Merci à toute mon équipe, merci à tous mes producteurs. Si vous voulez vous supprimer, envoyez-nous le DVD. Merci à toute mon équipe, merci à tous mes producteurs. Si vous êtes poète, envoyez-nous vite la cassette. Merci à toute mon équipe, merci à tous mes producteurs. Merci, oh merci, merci, merci. Merci, 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 merci. Si vous vivez dans un taudis, envoyez-nous vite la cassette. Merci à toute mon équipe, merci à tous mes producteurs. Si votre enfant est obèse, envoyez-nous vite les photos. Merci à toute mon équipe, merci à tous mes producteurs. Si vous n'avez pas d'argent, envoyez-nous vite les factures. Merci à toute mon équipe, merci à tous mes producteurs. Si vous êtes poète, envoyez-nous vite la cassette. Merci à toute mon équipe, merci à tous mes producteurs. Merci à toute mon équipe, merci à tous mes producteurs. Merci, oh merci, 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 merci. Dans la chaleur de la nuit, mon coupé italien me procure un feeling extraordinaire. Je ferme les yeux en caressant le cuir de la gaine, du pommeau, de l'accélérateur. La créature surdiplômée qui m'accompagne acquiesce, elle acquiesce quand on prend une coupe de champagne dans notre penthouse rue de Marignan. On a les quairons, les graviers, on a les portails avec traces de soudures sur les gonds et des jardinets. On a des voies d'accès et des peintures de signalisation fraîches. On dirait qu'on va pas rester, c'est ce que dit le limonadier qui a installé des tables et des chaises devant son Algeco. Il fait le plan en été astreint, il pourra construire en dur bientôt. Ne soyez pas à la mode, ne frappez pas avant d'entrer. N'apprenez pas toutes les techniques pour plaire. N'affirmez pas votre personnalité, ne faites pas l'unanimité. Ne tapez pas du pied, ne levez pas les bras avec moi. Descendez sur la voie, ne repartez pas avec un souvenir. Ne sachez pas dire non, ne soyez pas en vue. N'appelez pas le chef de la station, ne composez pas immédiatement le 0892-202-203. Dormez pas bien, ne soyez pas performant. Ne passez pas une journée avec votre chanteur préféré. En cas de danger, ne tirez pas la poignée. Si vous êtes un poète, envoyez-nous vite la cassette. Parce que moi, ton contrat, je commence à avoir un ras-le-bol. Hein. C'est très bien. Et maintenant, si je te dis que tu fais un choix, c'est moi et les enfants ou la contrat, tu fais quoi? Tu vas te faire foutre.